Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle fois d'analyser une chaîne populaire, une chaîne qui a une croissance anormale, enfin, que je juge anormale, qui a été très rapide ces dernières semaines. Donc, je vais regarder à froid avec vous le contenu des vidéos pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette chaîne pour qu'elle cartonne autant. Quels ont été les mécanismes qui ont été utilisés, les appels à l'action, tous les leviers qui ont pu être mis en place par ce YouTuber pour pouvoir performer aussi rapidement. Bonjour à tous, bienvenue dans la pub. Aujourd'hui, je vous propose effectivement de découvrir la chaîne d'Antoise qu'on m'a recommandée. Sur cette chaîne, effectivement, cette chaîne a une croissance assez anormale, c'est-à-dire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a une forte croissance. Je vais essayer déjà de regarder ce qui s'est passé au niveau de l'évolution, que ce soit sur Social Blade ou au niveau des stats, hein, quelques stats que j'ai ici. Et je vais surtout regarder à froid, c'est une chaîne que je ne connais pas, donc je vais regarder à froid les vidéos les plus populaires de cette chaîne pour essayer de voir en fait ce qui a pu faire décoller cette chaîne, s'il y a des petites choses spécifiques, quels ont été finalement les leviers utilisés par ce youtubeur là. Alors, je connais pas du tout la chaîne, j'ai vraiment regardé que les statistiques. Pour jouer le jeu, je vais regarder ça à froid. Je vais regarder les vidéos à froid et je vais vous dire ce que j'en pense. Première chose que je vois, c'est qu'il y a eu des gros pics ces derniers jours, 18 août et 25. Alors, je ne sais pas si c'est lié à une sortie de vidéo spécifique, s'il y a eu... Ça peut souvent être une arrivée d'abonnés qui est liée par exemple à des partenariats avec d'autres chaînes, c'est-à-dire en faisant des featuring ou autre, ou en faisant des interviews de youtubeurs connus. Ça fonctionne bien. C'est des choses qui fonctionnent bien. C'est peut-être ce qui est... On va voir ce qui a été la cause, on va essayer de regarder ça. Plus globalement, oui, effectivement, il y a une croissance anormale. On voit que la chaîne a stagné. Alors, depuis 2016, en fait, la chaîne stagnait à 1000 et quelques abonnés, 2000, 3000. Et début janvier, boum, ça s'envole. Ça s'envole début janvier, janvier 2018, pardon. Donc, il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, croissance assez hallucinante, parce qu'en l'espace d'un an, c'est 200 000 abonnés, donc j'ai jamais vu ça. Et ça continue hein, sur la même lancée. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a eu du hack? Est-ce qu'il y a de l'excellent contenu? Des concepts de viralité qui ont été mis en place? Enfin voilà, on va voir ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder des vidéos de cette chaîne à froid. Je vais commencer comme d'habitude par la dernière qui a fait 214 000 vues, qui a été postée il y a 4 jours. Donc, kebab à 1€ vs kebab à 100€. Il y a une autre vidéo, tacos à 1€ vs tacos à 100€. Donc ça, c'est un concept effectivement qui a été pas mal exploité ces dernières années, ces deux dernières années. Le truc à 1€ vs le truc à 10 000 par exemple. Donc ça marche bien. Ça marche bien chez les ados, c'est assez intriguant. Quand on voit ce genre de titre, on se dit quelle peut être la différence entre voilà, un kebab à 1€ et un à 100 quoi. Donc c'est le genre de vidéo qui se regarde bien et ce qui fait qu'en termes de watch time ou autre, en termes de taux de clic, on envoie de bons indicateurs à YouTube parce que les gens vont beaucoup cliquer. Les miniatures fonctionnent bien, classique, hein, on voit celui à 1€ et celui à 100 à droite. Pareil pour le tacos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je fais le tour des titres, hein, vraiment je découvre. Je mange que des chips pendant 24 heures. Aïe, 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 YouTube fait peur parfois. Enfin bon, c'est perso, hein, mais je mange que des chips pendant 24 heures. Et cette vidéo a fait 115 000 vues. Je mange une pastèque géante, des filles. De 8,6 kg, donc 52 000 vues. On mélange tous les sodas. Ok, je vois le genre. 24 heures Disneyland Paris. Mélanger toutes les boissons énergisantes. Je mange des glaces pendant 24 heures. Aïe, aïe, aïe. L'estomac et le côlon de ce jeune homme doit être dans un état. Bref, je continue à mélanger tous les fast-foods. Oui, oui, oui. Je mange. Bon, ok. On voit que le concept, c'est l'expérimentation. C'est le fait d'essayer des choses... voilà, plutôt fun. C'est apparemment un ado, une chaîne qui est pour les ados également, je pense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les ados sont la communauté encore la plus puissante pour le moment sur YouTube. Énormément d'ados qui regardent et qui se divertissent sur YouTube. Donc effectivement, ce genre de chaîne performe mieux que les autres. On est à la fois dans le divertissement et pour une cible bien spécifique. Donc ça fonctionne bien. Après, sur le fond des vidéos... je vous laisse juger
Écoutez, je vais commencer par la première. J'ai pas forcément l'habitude de ce type de vidéo, donc vous aurez mes réactions à froid, et puis voilà. En tout cas, je critique pas les chaînes, je me permettrai pas, c'est bien que tout le monde crée du contenu. Il en faut pour tout le monde, hein, il en faut pour tout le monde. Je vais commencer avec celle-là. Donc là, on est en train de modifier un kebab. Il vous faut une facture ou pas? Oui, s'il vous plaît. Salade, tomate, oignon. Regardez, là, du coup, on va manger de l'or. Oh, ça sent les épices, là. Celle-là, elle est à 6,20€. Salut, alors, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en dessous, pour cette nouvelle vidéo avec Tom. Coucou, loulou. Comment ça va? Ouais, donc, ils sont très jeunes. Ok. Assez malin. Petite intro. On sait que les 15 secondes au début d'une vidéo sont extrêmement importantes pour justement garder son audience et pour éviter d'avoir trop de rétention. Bah, là, c'est bien maîtrisé dans le sens où on a un petit résumé de la vidéo pour mettre l'eau à la bouche, qui dure justement, j'imagine, pas plus de 15 secondes, et c'est parfait. On voit qu'ils connaissent quand même bien les codes. Là, donc, du facecam, on les voit tous les deux, ils sont très jeunes apparemment, enfin, voilà. Un petit décor avec le trophée au milieu, donc c'est bien, ça monte une petite notoriété, ils ont eu leur trophée, ils ont plus de 100 000 abonnés, ils sont installés, ils sont là, voilà. On voit qu'il y a le petit décor qui a été improvisé, mais qui est pas mal. Alors c'est parti, on continue. Ça va très bien et toi? Moi aussi ça va nickel. Alors est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? Alors on va comparer un kebab à 1€ versus un kebab à 100€. Exactement, donc dans la dernière vidéo, si vous vous rappelez, on avait comparé déjà un tacos à 1€ versus un tacos à 100€. Et donc on s'est dit, vu que ça vous a beaucoup plu, pourquoi pas faire la même chose avec un autre fast food. Et donc aujourd'hui on va comparer un kebab à 1€ versus un kebab à 100€. Exactement. Alors vu que dans cette vidéo aujourd'hui on va devoir manger un kebab à 100€, qu'est-ce que tu penses qu'on va mettre dedans? Bah vu que dans la vidéo tacos on a mis de la truffe, je te propose qu'on mette autre chose, par exemple de la feuille d'or. De la feuille d'or dans un kebab? Bah, ça ouais. Vraiment pas mal, c'est une bonne idée. Donc on va tout de suite chercher un magasin dans Paris, parce qu'il faudrait les acheter dans Paris. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir en acheter easy? Bah ouais, je pense qu'on peut en trouver. Donc attends, je vais regarder sur internet s'il y a un magasin pas très loin. Donc feuille d'or alimentaire, hein, c'est ça? Mm. Ah bah tiens, il y a ce magasin dans le 12e. Hop. Ils ont aussi de la poudre. Ah, par contre, le concept est différent de ce que j'ai pu voir. C'est encore plus simple dans le sens... Enfin, plus simple. Les concepts que j'ai... que moi, j'ai découvert qui sont parfois le kebab à 1€, celui à 100€, c'est des kebabs qu'ils vont acheter. Normalement, c'est-à-dire ils vont à un restaurant où ils vont trouver un kebab pas cher et après ils vont dans un excellent restaurant où il y a le super kebab qui a déjà les feuilles d'or, etc. Mais là, c'est plutôt novateur. Enfin, je n'avais jamais vu sous cette forme-là, c'est eux qui vont le faire en fait. Ils vont acheter pour 100€ d'ingrédients et faire leur kebab. Donc des feuilles d'or, bah voilà, déjà les feuilles d'or, 33€, ça va aller vite. Ouais, je continue. Donc ils ont des feuilles et de la poudre, donc ça peut être pas mal, hein. On pourra choisir. On va aller là-bas, c'est dans le 12e, c'est pas très très loin. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre à part la feuille d'or dans notre kebab? Bah je te propose qu'on change la viande qu'on peut trouver d'habitude dans un kebab. Ouais, c'est une bonne idée, on va faire comme dans le tacos. Donc ça veut dire on va cuisiner quelque chose, donc la viande, et puis après on va la mettre dans notre kebab. C'est ça. Qu'elle va vous plaire. Et si c'est le cas, on compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu. Objectif 10 000 likes. C'est vraiment important. Et puis aussi dites-nous dans les commentaires quels sont vos kebab, vos recettes de kebab favorites. Toi d'ailleurs tu prends quoi dans ton kebab? Voilà, les codes sont maîtrisés. On incite au like, premier appel à l'action. Avec un petit dessin, on remonte bien le like. Hein. Justement, on espère qu'elle va vous plaire. Et si c'est le cas, on compte sur vous. Avec la petite image qui incite au like. Et le défi, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi quand il faut une certaine audience, c'est inciter justement votre audience à arriver aux 10 000 likes. Donc vous vous sentez utile, du coup, vous vous dites « Ah bah tiens, je vais liker ». Et effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand on a une certaine communauté. L'appel à l'action est maîtrisé. Et tout de suite après, vous avez un appel aux commentaires, donc très malin aussi. On sait que le fait de stimuler les commentaires, plus vous allez avoir de commentaires sur votre chaîne, plus l'indicateur, plus ça va favoriser le signal positif que vous envoyez à YouTube, disant que si vous avez des commentaires, il y a forcément de l'intérêt dans votre vidéo. Donc ici, une façon de le stimuler, c'est de dire, dites-moi en commentaire comment, quelle recette de kebab vous aimeriez, etc. On pose une question ouverte, justement, à notre audience pour être sûr d'avoir un maximum de commentaires. Donc c'est des choses que vous pouvez mettre en place, que je vous incite à faire, moi je le fais également sur mes différentes chaînes. J'incite au like, j'essaie de le faire à un bon moment, là je trouve qu'au début c'est un peu violent. Normalement, quelque chose que je vous recommande, c'est que si par exemple vous faites quelque chose de dur dans votre vidéo ou quelque chose qui vous demande du travail ou quelque chose qui, voilà, qui est assez éprouvant, ou là vous savez que votre audience vous suit et compatit, et vous dites à ce moment-là, bah, aidez-moi, mettez un petit like pour m'aider et pour me soutenir. Voilà, vous me placez ça au bon moment et ça fonctionne très très bien. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à nous dire vos recettes de kebab favorites dans les commentaires, comme ça on pourra comparer, puis voilà, on pourra vous répondre. Sinon, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 300 000 abonnés, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Exactement. Et du coup maintenant, bah, c'est parti, on va aller dans les différents magasins. On va tout de suite commencer par la feuille d'or, donc on se retrouve tout de suite devant le magasin feuille d'or. C'est parti. On cherche de la feuille d'or alimentaire. Ouais.
Vous en fallait combien? Et qu'est-ce que vous allez faire après? On va mettre ça dans un plat. Dans un kebab. Dans un kebab? Oui. Putain, vous avez pas tellement d'imagination, les jeunes. Un kebab doré? Un kebab en or, ouais. Un kebab. Alors, nous avons l'or des chefs. Alors là, il y a 2 feuilles, 5 feuilles ou 25 feuilles. Alors, les 2 feuilles, c'est 6,60. Et les 5 feuilles, c'est 16. Ok, et vous avez de la poudre ou pas? C'est beau, hein? Hein, c'est beau. Faut dire très beau. Ça, c'est les pétales. Ouais. Ouais. C'est combien, ça? Dans les 30. Alors on est actuellement dans un supermarché pour acheter la viande, donc on va rajouter dans le kebab. Et donc du coup on va essayer de prendre la viande la plus chère parce que le kebab doit faire 100 euros. Donc je pense qu'on va prendre le bio parce que, n'est-ce pas, le bio c'est plus cher. Ouais. C'est parti, alors là on est rayon fourniture, tout ça, c'est pas là. Ça rappelle la rentrée, hein. Ouais, ça rappelle la rentrée, d'ailleurs c'est dans une semaine, bon courage pour la rentrée les amis. Donc là on est rayon boucherie et on va devoir trouver notre bonheur ici. Je pense qu'on va mettre du poulet. Alors là il y a poulet fermé bio, 8,59. Viande hachée pour faire des boulettes. Regardez, celle-là elle est à 6,20€. 6,20€ le steak haché. Et puis les poulets, 8,59€. Et si vous vous rappelez les amis, on a déjà 33€ de paillettes d'or. Ce qui nous fait 33 plus 14, 47€ pour l'instant pour ce kebab de luxe à 100€. Bon, autant le dire, les codes sont maîtrisés. Il y a du rythme. Une fois de plus dans la vidéo, on sait que pour les utilisateurs, c'est plus important. C'est coupé, c'est rythmé. En l'espace de 10 secondes, il y a peut-être eu... 10, voire 15, voire 20 parfois, changement d'angle de caméra. Donc c'est très rythmé. Du coup, c'est assez intéressant. Ça permet... Voilà, certains auraient laissé toute leur visite dans la grande surface en montrant « on va chercher ça, ah non, je prends un passage ». En l'espace de 15-20 secondes, si on regarde, il y a vraiment eu tout ce qu'ils ont fait au supermarché. Et à chaque fois, ils montrent plein d'images différentes, jusqu'à la caisse, jusqu'à l'étiquette, jusqu'au rayon. Et tout ça se passe très vite. Donc c'est bien, c'est rythmé, on sent... Du coup, l'utilisateur reste parce qu'il n'a pas le temps de s'embêter, il n'a pas le temps de partir, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui... Je vais le remettre juste après. C'est quelque chose qui est bien maîtrisé et que l'on voit très souvent et que vous devez faire dans vos vidéos. Hein. Je vous en parle à chaque fois, mais le rythme, il faut... N'ayez pas peur d'avoir des images qui s'enchaînent vite, il faut du rythme. Je remets le passage. C'est pas là. Ça rappelle la rentrée, hein. Ouais, ça rappelle la rentrée. D'ailleurs, c'est dans une semaine. Bon courage pour la rentrée, les amis. Donc là, on est en boucherie et on va devoir trouver notre bonheur ici. Je pense qu'on va mettre du poulet. Alors là, il y a poulet fermé bio. 8,59€. Viande hachée pour faire des boulettes. Regardez, celle-là, elle est à 6,20€. 6,20€ le steak haché. Et puis les poulets, 8,59€. Et si vous vous rappelez, les amis, on a déjà 33€ de paillettes d'or. Ce qui nous fait 33 plus 14, 47€ pour l'instant pour ce kebab de luxe à 100€. 16, bon. On voit qu'il y a du rythme. Il y a aussi des fois des sauts d'images qui sont... Parce qu'en fait, quand vous allez faire du post-traitement, vous allez enlever beaucoup, vous faites beaucoup de blabla, il y a beaucoup de soupirs, de bruits parasites, donc on enlève tout ça. Donc des fois, il y a des petits sauts d'images, mais vous voyez quand même le nombre de changements... vous voyez quand même le nombre de changements qu'il y a pu avoir, donc c'est très rythmé. Maintenant, on va aller chercher les kebabs, et du coup, c'est parti. On va aller acheter 2 kebabs différents. D'accord, donc ils vont... Alors là, c'est bon, ils font même pas le kebab, ils achètent des kebabs. 2 kebabs, logique. Du coup, c'est parti, on va tout de suite commander. Ils vont acheter le kebab pour le modifier, en fait, ok. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, on est de retour chez moi, et puis on va tout de suite commencer la comparaison des 2 kebabs. Celui à 1€ vs celui à 100€. Regardez, on en a la 2. Donc regardez, j'ai pris un complet, donc avec sauce mayonnaise, parce que tu m'as dit que t'aimais la mayo. Donc comme ça, j'ai fait plaisir à tes goûts. Et un autre où il n'y a rien, donc il n'y a pas de sauce, pas de salade, pas de légumes, ni rien du tout. Voilà. On va tout de suite commencer par goûter une frite chacun. Tiens. Elles sont pas mal. Du coup là les amis, regardez, c'est tout simple. J'ai demandé au monsieur qui fait le kebab, j'ai demandé combien ça coûtait que le kebab. Il m'a dit c'est 4€. Du coup regardez, pour le kebab à 1€, on va couper tout simplement un quart. Et ça fera un kebab à 1€. On est d'accord? Donc en gros ça fera un mini kebab. Oh les malins. Et du coup pour celui à 100€, là on est à 5€. Mais c'est même pas le kebab à 1€, donc c'est qui? Du poulet. Donc on est à 8,59€ de poulet. Et puis de la viande hachée. Pour tenir bio, leur bien sûr, promesse, tout est bio, c'est regardez. Pas avoir bio, un titre bio. Putaclic quoi. Et donc ça, pour tenir leur promesse du kebab à 1€. 14,79€. Donc 15€ de viande. Donc ce qui fait là, regardez, 5 plus 15, ça fait 20€. Il y a du rythme. Il y a tous les appels à l'action. Appel à l'action, commentaire, like, abonnement. Pas eu la cloche, mais il y a eu à peu près tout. Et je demande l'assiette à 100€. La voici. Ouais. Regardez comment elle est garnie. Il y a les boulettes qu'on n'a pas pu faire rentrer dedans. Le poulet mariné. Avec les boulettes aussi, il y a des frites. Regardez, kebab à la feuille d'or. Franchement, ça donne envie. Hein. Toi, qu'est-ce qui donne envie entre les deux assiettes? Tout me donne envie. Tout? Oui. Tu veux manger tout? Tout. Peu importe 1€ ou 100€. Tout. Ok, du coup, on va prendre une petite boîte. Je vais quand même regarder la fin de la vidéo. Sachant qu'ils ont déjà utilisé tous leurs appels à action, je pense pas qu'ils vont recommencer ici. Certains le font à la fin, donc on va voir comment ils vont gérer leur outro, en fait. En tout cas, s'il y a un kebabeur qui nous entend, ouais. Et bah faites des kebabs avec des feuilles d'or. Un maître kebabier, je pense.
Alors là, du coup, c'est bon, on vient de terminer la dégustation des deux kebabs qu'on a comparé dans la vidéo. Celui à 1€ vs celui à 100€. Et donc, toi, lequel t'as préféré? Bah, j'ai préféré celui à 100€, même si celui à 1€ était pas mal. C'est vrai que celui à 1€ était pas mal, mais il y avait pas grand chose dedans. Il y avait même pas de sauce. Il y avait rien. Et d'ailleurs, dans celui à 100€, qu'est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as aimé la feuille d'or? Non, franchement, la feuille d'or, c'est pas mal, mais ça a pas de goût. C'est vrai que ça a pas trop de goût. Généralement, on connaît pas. Ouais. Donc, n'hésitez pas à tester si vous avez l'occasion la feuille d'or. Ça n'a pas de goût. C'est pas fait pour avoir du goût, c'est décoratif. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, on compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu. C'est vraiment important. Objectif 10 000 likes. 10 000 likes, c'est vraiment super cool. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont vos recettes de kebab, bah, comme on m'a dit au début de la vidéo. Et puis aussi à nous donner vos avis sur la vidéo. Et puis si c'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important, comme ça vous pourrez suivre les prochaines vidéos. Voilà, on espère que la vidéo vous... Bah, on va remettre une couche d'appel à l'action, comme vous avez pu le voir. Maintenant, vous connaissez. Ça vous a plu? Exactement. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Classique. Ok, sortie classique, il y a quand même une outro, des différents liens d'abonnement, des deux chaînes, apparemment il y a deux chaînes, ok. Voilà, donc j'ai vu leur dernière vidéo, je vais en faire une deuxième, après on verra. Je vais prendre leur vidéo la plus populaire. 2,6 millions de vues, 24 heures dans un McDo. Bon. Celle d'en dessous avec 2 millions de vues, 24 heures dans un carton. Ok, 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 ok. Ma grand-mère teste au tacos. Ah, ça, c'est pas mal. S'il y a le côté affect un peu, c'est pas mal. Ça change. 24 heures dans une voiture. Manger giga tacos. Alors, giga tacos, il y a eu pas mal de vidéos autour aussi, dans le sens où c'est un resto assez malin. Bah, au tacos, qui a l'idée de faire un giga tacos qui fait plusieurs kilos. Voilà. Et personne n'arrive à vraiment le finir, donc ça fait l'objet de plein de défis. Bon, on est vraiment sur du divertissement. Hein. Ça plaît, du coup, mais pour être honnête, c'est comment dire, il n'y a pas une valeur ajoutée. Enfin, ça ne répond pas à un besoin. Ce n'est pas une vidéo qui répond à un besoin. On est vraiment dans du format divertissement. Donc, c'est-à-dire que ceux qui regardent ça pour s'amuser, pour passer un moment de détente, voilà. Ils ne sont pas là pour apprendre quelque chose. Contrairement à certains formats qu'il y a sur YouTube, là on est sur du divertissement, sur du how-to, sur comment faire ci, comment performer dans telle chose, comment apprendre à faire ça, comment peindre, comment voilà. Moi je suis plus dans cette branche sur mes autres chaînes. Alors le problème du divertissement, là je vous le dis parce que vous êtes peut-être certains à avoir ce type de chaîne ou à vouloir ce type de chaîne, contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup plus difficile que ça puisse paraître pour performer avec ce genre de chaîne. Il y en a tellement que pour créer le buzz, ça va être très 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 complexe. Donc certains... Voilà, passe à travers le maille du filet, font une vidéo par exemple comme celle du McDo, là je pense 24 heures dans un McDo. Certains, c'est peut-être allé en tendance parce qu'il y a eu un engouement sur cette vidéo et après automatiquement plein d'abonnés et toute la chaîne après suit, ça devient mécanique. Il faut une vidéo, ce que j'appelle une vidéo pilier, une vidéo qui amène toute votre traction. Et avec ce type de chaîne, on peut le faire. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Donc je regarde une vidéo, allez c'est parti, 24 heures dans un McDo. Salut, alors j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se trouve pour cette nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement je vous propose de lancer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Et alors comme vous aurez pu le comprendre grâce au titre de la vidéo, le concept de la série ce sera de faire pendant 24 heures quelque chose. Donc vous avez déjà sûrement dû voir ça sur YouTube et moi je vais essayer d'apporter cette petite touche d'originalité en choisissant des sujets de 24 heures insolites. Et donc pour ce premier 24 heures de la série, et bien j'ai choisi de faire un 24 heures dans un McDo. Alors qui est à Alésia, donc dans le 14e, et qui ouvre le matin très tôt à 5h et ferme à 2h du matin. Donc si on fait un petit calcul, en gros il est ouvert pendant 21h parce que 5 moins 2 égale 3. Motiver le garçon heures, quand même. Hein. Il est ouvert 21h. Je vais alors, comme vous l'avez compris, dans ce McDo pour faire mon 24h. Alors maintenant, si on fait le point, il est 23h57 actuellement et on va y aller. Hop. Au niveau du matériel, c'est simple, alors, juste avec son smartphone. Et donc on va voir si le McDo ouvre à l'heure dite, donc 5h, ou s'il est en retard ou pas. Donc là, c'est bon, je suis devant le McDo et on va voir qui se ramène à 5h du mat au McDo, comme ça va être intéressant. Bah sûrement tous les alcooliques qui sortent de soirée. Ah, peut-être pas le dimanche. Ah si, samedi soir, bah bien sûr que si. Ça va être ça, je pense. Enfin bref, je referme la parenthèse. Bonjour, c'est ouvert ? Bonjour. Je viens de commander un thé et des pancakes. Il est précisément 5h23, donc McDo avait 20 minutes de retard. Donc là c'est bon, je viens donc de recevoir son kit main libre pour faire micro, ce qui marche bien. Et juste son téléphone, simple, efficace. Pour avoir un très bon son avec un kit main libre, hein, la suffit. Il est actuellement 5h39. Enfin, je fais une parenthèse, mais le micro, c'est pas forcément la qualité du micro qui va tout changer, c'est la distance avec votre bouche. Voilà,
Moi, je me sers pas de ça, là. Je me sers effectivement de mon micro. Mais je pourrais utiliser mon kit main libre. Du moment où le micro qui se trouve ici est près de la bouche, vous avez un très bon son. Comme vous pouvez le voir sur ma montre, comme j'ai amené des feuilles, et bah, je vais écrire des vidéos. Ah bah c'est bien, comptabilise son temps. Le jour s'est levé, il est 7h46. Donc ça fait déjà 2h46 que je suis dans le McDo et j'ai écrit déjà 3 vidéos. C'est bien. Je vous donne mes... On n'est plus dans l'analyse, je vous donne mes commentaires à froid. Comment tu peux chier au McDo, mec? Il est 8h27, donc je fais ma petite pause pipi. A few inches later. Je vais dessiner parce qu'on s'occupe comme on peut quand on reste 24h dans un McDo. Je pourrais pas rester 24h là-dedans. Merci, merci au revoir. Alors voilà, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée dans cette vidéo, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer dès qu'on lit le titre, on sait qu'il va être 24 heures dans son McDo. Il pourrait avoir un schéma narratif, je vous en parlerai une autre fois, mais Stan Leloup en parle très bien. Des schémas narratifs, des arcs narratifs qui font qu'il pourrait très bien dire « Bon, j'ai le McDo, mais j'espère que ça va bien se passer, je sais pas trop qui je vais rencontrer. » Et là, montrer les aléas de la journée. À un moment où les choses passent bien, se passent un peu moins bien, bien, etc. Et puis créer tout un schéma là-dessus. Là, non, il passe sa journée. Bon, il filme sa journée, hein, ça fait un peu type vlog. Mais du coup, c'est sa vidéo qui a le plus de vues parce que le titre fonctionne, on se dit, mais je pense que beaucoup sont curieux de voir s'il va vraiment tenir le... Enfin, s'il va vraiment faire son défi, rester 24 heures dans le McDo. Je pense qu'il y a beaucoup. Certaines audiences que ça peut intéresser. Une audience un peu jeune. Voilà. Je me répète. Mais du coup, ça a bien fonctionné pour lui. Pourtant, pas d'appel à l'action dans cette vidéo, assez étonnamment. Il n'y a pas de abonnez-vous, il n'y a pas de mettez un petit pouce bleu, il n'y a pas de tout ça encore. Je pense que cette vidéo est un peu plus vieille. Mars 2018, il n'avait pas encore les codes qu'il a aujourd'hui, qu'il utilise avec son collègue dans sa vidéo. Donc voilà, alors pour vous reparler de cette chaîne, je ne veux pas forcément regarder d'autres vidéos, mais on comprend que il a trouvé un format qui fonctionne bien. Alors le format des VS, hein, des Versus, ça existe depuis des années aux États-Unis, ça cartonne, donc ben, c'est de plus en plus adapté en France. Je pense qu'il a certaines de ses vidéos qui arrivent en tendance, vu le nombre de vues, et du coup, bah, ça continue. Il a une très bonne traction, et là, c'est quelqu'un qui va faire assez rapidement le million d'abonnés. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Dans moins d'un an, il aura fait le million, je pense. Donc voilà, en toute logique, je pense qu'il va continuer sur ce concept. Après, au niveau de sa cadence de publication, j'en ai pas parlé. Donc 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il respecte les codes, une vidéo semaine, vous voyez, hein, ça fonctionne bien, ça lui laisse le temps de faire sa vidéo. De faire un bon montage, de faire quelque chose de rythmé, parce qu'il y a quand même du boulot, hein, le fait de faire du montage, de rythmer, plus vous allez rythmer votre vidéo, plus le montage va être costaud, plus il va falloir faire des choses, des incrustations, etc. C'est pas forcément évident. Mais donc il s'y tient là depuis un moment, et je pense que s'il continue comme ça, comme je vous ai dit, il passera le million. Donc voilà, ouais, c'était une découverte à froid. Alors, n'hésitez pas à me donner des chaînes que vous voulez que j'analyse, des chaînes assez populaires, on va dire au moins plus de 50 000 abonnés. Voilà, 50 000 abonnés, c'est pas trop excessif. Et dites-moi si vous voulez que j'analyse. Alors peut-être sortir de ce genre de format d'une chaîne un peu ado. Voilà, peut-être une chaîne un peu différente. Alors mettez-moi vos suggestions en commentaire et j'analyserai tout ça. Et puis on pourra voir comment... Parce qu'il y a plein de façons de performer. Il y a plein d'approches différentes. Là, c'en est une, mais il y a plein d'autres approches. Donc mettez-moi en commentaire une chaîne que j'espère que je ne connaîtrai pas, comme ça je pourrais regarder à froid et vous dire ce que j'en pense et vous refaire ce type d'analyse si bien sûr ça vous fait plaisir, si vous trouvez qu'il y a de la valeur dans ce type de vidéo. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Alors je vais le faire parce que je ne l'ai pas fait, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Vous voyez là, je donne des conseils là-dessus, mais je l'ai mal fait dans cette vidéo, j'aurais dû vous le mettre à un moment dans la vidéo. Par exemple, pour soutenir Antoine dans sa démarche, mettez un petit pouce bleu, voilà. J'aurais pu dire ce genre de choses. Mais bon, bah maintenant que vous le savez, vous allez mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et puis un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir toutes les autres prochaines vidéos pour performer sur votre chaîne YouTube. Alors après, pour ceux qui ne me connaissaient pas, effectivement, vous êtes sur ma chaîne secondaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'abonnés. Mais sur ma chaîne principale, où on est plus de 40 000, je vous donne mes petits conseils de YouTubeur, ce que j'ai fait pour faire performer ma chaîne, les pièges dans lesquels je ne veux pas que vous tombiez. Enfin voilà, je vous donne tous mes petits conseils. Et je fais aussi, entre autres, ces différentes analyses. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.